Aujourd'hui, Excluciné vous traîne aux limites de l'ennui à un point encore jamais atteint au cinéma avec L'Homme. On retrouve ici la griffe du réalisateur Leonid Kouchma, lauréat d'un Prozac d'or au Festival de Grozny. Il lance un ultime défi aux spectateurs. Restez jusqu'au bout. On a eu pas mal de contretemps à se demander si le film n'a pas été frappé par une malédiction. L'air ambiant, riche en radioactivité, donnait beaucoup d'entrain à l'équipe. Coupez ! Coupez ! Coupez ! Allez, on coupe ça, ça ne va pas du tout ça. C'est pas de la non-signifiance, c'est de l'insignifiance. Les techniciens qui se sont succédés étaient des vrais pros, des passionnés. Ils auraient donné leur vie pour que ce film existe jusqu'au moment où ils l'ont vraiment fait. Dans l'ensemble, je dois dire que la mayonnaise a bien pris. On a mis les petits plats dans les grands pour que tout soit al dente. J'ai bouclé le tournage avec un effectif décimé, très épuré d'un point de vue cinématographique. Ah oui, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Dis-moi, moi je peux avoir des places pour ça. On organise de presse. Non, laisse-moi tranquille. Ok, j'entends bien. Quelqu'un vient te chercher. C'est terminé, salut. C'est bon, c'est bon.